Et je vais arrêter de foirer mes intros. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 11 de La Flèche du Part. Alors, j'ai écouté un peu, enfin j'ai lu un peu vos conseils. Sachez que je ne vais toujours pas en appliquer un bon nombre. Mais vous me connaissez depuis le temps. Cela dit, il n'y avait quand même pas que du mauvais, enfin pas de mauvais, mais... Il y a des trucs qui sont bons à prendre quand même. On m'a dit, oui, c'est la cavalerie ton avantage, fais de la cavalerie. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, à votre avis là? Je suis en train de recruter quoi? C'est pas des mecs sur des cochons, hein, c'est bien de la cavalerie. Donc voilà, ça c'est fait. Et ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de... Voilà, oui. Voilà, c'est la question des lanciers. Les lanciers, c'est vrai que c'est un peu de la merde quand même. Il faut l'avouer. Et ce qu'on va faire, c'est que... on va essayer de les remplacer petit à petit par une autre unité. On va clairement les remplacer par des montagnards parce que ils ont un meilleur moral et c'est ce qu'il nous faut. Le truc un peu chiant, c'est qu'ils ont une défense beaucoup moindre quoi. Du coup, moi j'ai surtout besoin d'unités qui tiennent assez longtemps pour. Le temps que la cavalerie contourne l'ennemi quoi. Surtout ça, il me faut une unité qui résiste au corps à corps, pas une unité qui va flancher dès le début. Alors, eux ont plus de défense, mais eux ont plus de morale. Mais je pense que de toute façon, on va prendre des montagnards, parce qu'ils sont quand même plus à même de durer assez longtemps. Et on a bien vu que les lanciers, c'était un peu de la bouse. Sinon, j'avais pensé... Alors ici, non. Non. Par contre, ici, s'il y a de la culture... Enfin, je sais pas ici ce qu'on peut recruter, mais... Il va y avoir les mercenaires... Non. Bon, j'avais pensé recruter des hoplites si jamais il y avait des régions avec des hoplites en mercenaires. Parce que ça aurait été pas mal. J'aurais bien recruté plein d'hoplites mercenaires. Mais bon. Du coup, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on les dissout? Ouais. Allez hop, c'est parti, c'est décidé les amis. Et donc au prochain... Pourquoi on peut pas recruter de montagnards ici? Bah... On peut, non? Déverrouille le recrutement de archers part. Ouais. Bah attends. Comment puis-je servir par-ci? Ah oui non, c'est là-bas que je les ai supprimés, merde, je me suis foiré, bon, c'est pas grave. Archer part. Que je regarde. Ouais, bon, c'est quand même de... Je m'étais dit peut-être que c'est des archers d'élite qui peuvent tenir au corps à corps, mais non. Du coup, ici, ça va être le même délire. On va peut-être garder les lanciers gradés, en fait, ici. Au moins garder les gradés. Et supprimer ceux-là, voilà. Et ensuite, on va recruter des montagnards. Prêt pour la bataille. Et ici, il va nous falloir des montagnards aussi, mais on peut pas en faire. C'est magnifique. De toute façon, j'ai plus une thune pour faire ce que je voulais. Bref, on va passer le tour. On m'a dit aussi, oui, t'aurais pu gagner là-haut. Peut-être que celui qui m'a dit ça aurait pu gagner. Moi, peut-être pas. Hein. Il faut bien prendre en compte que j'ai pas forcément les mêmes skills que tout le monde. Quand moi l'ordinateur me dit que j'ai 2% de chance de gagner, honnêtement, ça présage rien de bon. Et donc du coup, il n'y a rien à faire pendant ce tour-ci, puisque de toute façon, on n'a plus de thunes. Et donc, on va passer le tour. Ok, alors, ils sont venus à Marakanda, et ils nous ont assiégés. Édit publié, on récolte des impôts, et c'est bien, troupes recrutées. Oui, c'est les carquois noirs, c'est bien, et une faction émerge. Les massaguettes, je sais pas où c'est. Alors, qui nous assiège? Quoi nous assiège? D'accord. Bah du coup j'ai plus d'infanterie maintenant. C'est un peu con là. Du coup, si j'attaque... J'attends les ordres de Parsi. Putain, non merde. Ouais. Ils ont pas eu le temps de se reconstituer des masses technologiques. Peut-être essayer de chercher ça à 10 tours. Putain. Ah, on m'a dit aussi. Non.
non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est un truc, mais je me suis foiré. Ça. Ouais. Ça. Rites cérémoniaux. Plutôt partir là-dessus, à la limite, ouais. Merde, merde, merde. Est-ce qu'il y a moyen de venir exactement voir ce qu'il y a là-dedans? Viens par ici, toi. Approche-toi de ça. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer d'assassiner le général. Garde royale de Bactriane, putain. Ouais, voilà, donc on a baissé leur morale et leur bonus de charge, ça c'est bien. Mais du coup, on sait toujours pas ce qu'ils ont. Par contre, je tenterai quand même bien une sortie. Nous battons mais... pour vous, monseigneur. Ah putain, c'est tendu. J'aurais pas dû, je me suis foiré, j'aurais pas dû supprimer mon infanterie. Ce qu'on va faire. J'attends les ordres de Parsi. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de tenir un petit peu. Comment puis-je servir? Ah, j'aurais dû faire une marche forcée. Je suis con. C'est pas grave. On va ramener du renfort. Tu peux tenir combien de tours encore? Tours restants avant la reddition, 0. Oh fuck. Et puis j'ai pas de garnison. Ça veut dire qu'au prochain tour je... Ça veut dire qu'au prochain tour je perds. Putain. Bon. Je pense que je devrais quand même tenter une sortie à la limite. Restant dans la reddition. Nous battons pour vous, bon. Seigneur. Allez, on va quand même essayer. Alors, oh là putain, on part vraiment pas. Oh la vache, ils ont des éléphants. 1, 2, 3, 4. Ah putain. On est 621, putain. Ah, ça me ferait chier. Surtout que j'ai pas bien compris, mais. Elle peut pas résister plusieurs tours, la ville là ? Restant dans la reddition. Prêt pour la bataille. À la vitesse d'une flèche. À la limite, ce qu'on peut essayer de faire. Oh, allez, écoutez, vu que j'ai pas envie de risquer de perdre la bataille, enfin que la ville tombe sans combat, on va mener la bataille sur le champ de bataille. C'est pas grave, je prends des risques, mais c'est comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Au moins, on va essayer de les affaiblir beaucoup pour que l'armée qui arrive puisse facilement les balayer. Putain, regarde-moi cette unité, c'est du débris, quoi. C'est pas possible. Et puis j'ai pas une seule unité d'infanterie, j'ai que 4 unités de mêlée. Enfin, de cavalerie de contact, quoi, de mêlée. On va commencer le déploiement, hein. Alors. Comment qu'on va faire? Cavalerie!
mari de son homme. Voyons. Nous attendons vos ordres. Fractaire, royaux. Bon, c'est pas grave, mettez-vous comme ça si vous voulez. Groupe de combat projectile à votre service. Des fondeurs, bon, peut-être être utile. On attaque comme un seul homme. Alors, ensuite, lance-projectile. Deux. Ah non. Ça c'est les deux. Allez, ça c'est les deux lanceurs de javelot. Rassemblez-vous. Et non, les archers, il faut essayer de faire un... que ce soit un peu équilibré. Rapide, précise. Il y en a une, elle a... ils sont combien là-dedans? 6. Rassemblez-vous. Archers à cheval pâle. Mais putain. 6 pauvres cavaliers, quoi. On attaque comme un seul homme. Allez, c'est parti. Cavalier, après moi. Feriez-vous ces chiens vous insulter? Insultez nos ancêtres. Cavaliers, en route! Nous attendons vos ordres. Suivez-moi! Ils ont quand même des éléphants, et ça, ça me fait bien chier. Après moi! Frondeur, frondeur. Plein de paquets de lanciers. Cavalerie légère, cavalerie noble. Je sais pas exactement ce que c'est, je pense que c'est de la... ouais, c'est du... je pense que c'est du mêlée. Là il y a des genres d'hoplites. Et là il y a des genres de putain de garde royale à la con. Tirailleurs à cheval. Nos unités cachées ont été découvertes. Oui bah c'était prévisible. Monsieur. Cavalier, lance, projectile. Vos ordres, monseigneur. Tire de précision. Mon général, il faut que tu t'esquives de là. Tu fais le con avec lui là. Frondeur. Non. Tirez, ouais. Ok. J'ai mal géré. Pour la gloire. Les portes. J'ai mal géré. Qu'est-ce qui fuit? C'est pas moi. Okay. Les hommes sont hésitants. Ok, mes frondeurs fuient, ça c'était prévisible. Comment s'en sort Plutôt mal. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Ouais, non mais justement, je sais que ça fuit. Ok. Non, vous concentrez pas sur les frondeurs, concentrez-vous sur les lanciers. Allez balayer les frondeurs. Les hommes sont hésitants. Hey fuck, ils ont été accrochés par des lanciers. Ici je sais pas si on arrive à leur faire des pertes. Tire de précision. Voilà. Ici ça fuit. Merde, ils ont été merde, mon général il a été accroché par des putains de lanciers. Mettez-vous en diamant. Ça peut être pas mal ça. Vous venez tirer là-dessus. Ici, comment que ça se passe? J'ai encore un frondeur. Si vous le dites. Oui. Mon frondeur, il est où? Hésitant. Allez, venez tirer là-dessus. Ici. Oula, ouais, non, lui, il s'en est pas du tout sorti. Tirer là-dessus. Ok, là j'ai mes deux frondeurs. Les hommes sont hésitants. Ouais, je sais.
ce que vous allez faire. Cavalerie de son nom. Cavalier accéléré. Encerclez-le. Marchez à cheval par. Vous venez affaiblir là-bas. Faites des tirs enflammés, ça les fait paniquer. Cavalerie faire, de allez. Allez, 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 attaquez-les des deux côtés. Enfin, des trois côtés. Et démolissez-les. Ouais, c'est bien. Ça fuit, vous. Voilà. Il faudrait peut-être que je m'occupe de ma cavalerie qui est par là. Continue vaillamment de fuir. Ok. Cavalier lourd à vos ordres. Ok, ici c'est fini. En avant. Marchez à cheval par. Cavalerie de son nom. Cataphractaire, voyons. Nous sommes à vos ordres. Cavalier accéléré. Marchez à cheval par. Fuyez, fuyez. Ça c'est quoi? Ainsi orientaux. Parez! En avant! Il faut qu'on les contourne. Ok, là-bas on a réussi à le faire fuir, c'est cool. Monseigneur! Ok, lui il veut. Lui cavalerie il veut venir. De sang noble. Nous sommes à vos ordres. Cavalier en armure. Cavalerie de sang noble. Lui veut jouer un peu. Archer à cheval. Prêt à chevaucher. En vite maintenant. Cavalerie. Allez, attaquez-les, attaquez-les. Vous, faites attention derrière vous, il y a des choses. La bataille tourne en notre faveur. Putain, ils ont des ils ont des putains d'unités de, enfin, de lanceurs de javelot. Voilà. Ok, donc là-bas il fuit aussi. Là, il a disparu. Vous revenez, vous pouvez peut-être être utile. Ok. On va la continuer afin de massacrer ce qui reste. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon, on continue. Je sais plus, on m'avait donné une astuce pour finir la bataille, mais. Non mais non, de toute façon non. Non non, moi je veux en détruire le plus possible. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Eh ben c'est pas grave, elle va au contact. Hein? C'est pas une catastrophe. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Voilà. Je vais en détruire un maximum. Parfait. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Petite ellipse pour... Oups, donc petite ellipse pour finir rapidement, je disais. Ok, victoire de justesse, comme d'habitude. Mais quand même, ça sera bien démerdé. Il en reste combien?
8, 9, 10. Il doit en rester 150 à peu près. 150 survivants, ça va, on s'est bien démerdé. C'est plutôt bien débrouillé. Tuer les captifs, voilà, allez, dégage. Bordel. Et là, il faut vite que ça se reforme tout ça. Donc, toi, c'est au prochain tour que tu iras. Tu iras intercepter ce qui reste. Détruisez-les. Du coup ici j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il me faut ça? Réforme d'entraînement. C'est ça. D'accord, bah c'est un peu loin quand même. Et ici. Flexibilité tactique. D'accord. Bon, bah les nouveaux bâtiments, ça sera pas pour tout de suite. Ici, on était en train de recruter de la cavalerie. Ah oui, je voulais aller vers le nord. Bon, expédition vers le nord va être un peu retardée. Ici, qu'est-ce que je peux recruter? Rien d'intéressant. Je vais surtout améliorer mes bâtiments, en fait. Ces bâtiments là convertir marché ouais bon, on fera un marché. Ici, on va le détruire, voilà. Et puis ici on va garder le marché. Ben voilà, bon, on s'en sort pas trop mal. Je peux détruire les. Voilà. Détruire les quartiers. Voilà, hop, c'est bon, terminé le tour. Allez, hop. Agent caché. Oui, bah, je m'en occupe quasiment même plus. Il y a des agents partout, de toute façon. L'entourage grandit. Vieux vassal, oui, d'accord. Du coup, leur armée a disparu. À votre service. Ici. Ça, on va le convertir en marché, j'avais dit. Ou alors en truc de recherche, ça serait pas mal. On va faire un marché parce qu'on a besoin de bouffe. Marché oriental, voilà. Et par contre ici, éleveur, quartier maître. On va peut-être faire un truc de cavalerie en fait, comme ça on en aura un de chaque côté. Ouais. Étalon léger, étalon lourd. Ouais, on va faire ça en fait. Ici, on va faire hop, un éleveur. Du coup, par contre, on peut plus rien faire d'autre. Ça coûte combien? 2000, putain, c'est cher ce genre de truc. Ok. Ça c'est fait. Toi. J'attends les ordres de Parsi, monseigneur. Est-ce que je les poursuis? Je vais d'abord aller regarder ce qui se passe avec mon agent. Je suis né pour prendre des vies. Ok, il semblerait qu'il se soit replié assez loin. Monseigneur. Du coup, lui, j'aimerais bien l'envoyer au nord, donc hop.
Voilà, on retourne là. Ô Seigneur. Mes lanciers. Est-ce que je fais vraiment des montagnards? Parce qu'en face, ils ont que des cavaliers, donc bon, quelques lanciers, ça devrait être bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ces 4 misérables lanciers. On va garder ces 4 misérables lanciers. Quelle cruauté souhaitez-vous, ô Seigneur ? Et on va lui adjoindre... On va lui adjoindre les 4 unités de cavalerie de contact qu'on a là. Non. Putain, j'oublie à chaque fois. Chier, tant pis. On va lui mettre les 3 unités, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous fera 8 unités de cavalerie de contact. Donc ça, c'est cool. J'attends les ordres. Ici, il faut vite, que ça se reforme. Et au prochain... Non, en gros, on va rien faire. Il faut vite que ça se reforme. D'où, bah, on s'en est plutôt pas mal sorti, les amis. Donc l'objectif, renforcer l'armée ici, partir au nord, ici se reformer un peu, histoire de pouvoir bloquer les Bactres. Mais pour l'instant, on va pas faire d'opération visant à les exterminer, parce que je suis pas en état, hein, clairement. Même si je vois plus leur armée. Rapproche-toi encore. J'ai soif de sang et de gloire. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus personne? Écoutez, c'est pas grave, je vais pas m'en plaindre. Du coup, on passe le tour, les amis. Alors, un agent étranger et une intrigue politique. Bon, ça, je m'en occupe pas vraiment. Alors, Alors. Tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça là-haut. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Et ensuite. Tu m'énerves, toi. Tu vas passer par là. On y va, mon seigneur. Arrête de passer chez les autres. Pourquoi il y a de la. Pourquoi ils ont de l'épuisement ici? Je suis tout bénef pour moi, c'est tant mieux. Ici, il faut qu'on. Oh, Seigneur. Fasse quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait construire? Des camps nomades. Un camp d'enrôlement. Ça, qu'est-ce que ça donne? Quartier maître. Ouais. Peut-être ça pour... Ah non, mais on est c'est à Bukhara, là. Oui, Bukhara. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Bukhara? On va refaire un truc de bouffe aussi. Voilà. Parce que la bouffe va venir à manquer dans cette province. Donc voilà, Bukhara, ça sera pas une province militaire. Comment puis-je servir Parsi? 19-20, il y a encore de la place pour 2 unités. 19-20. 19-20 de montagnards. Ouais, allez. Une noble cause. Allez, c'est toujours ça. Voilà, comme ça on aura une armée pleine. Donc il y a des armées Bactres qui sont réapparues. On va voir si on peut pas leur faire un petit truc. Hein? Est-ce qu'on peut pas les faire chier? Tiens, essaye ça. Essaye d'assassiner ce personnage dans un ignoble massacre. Plus ou moins. D'accord, ok. Bon, c'était un fail. C'est point grave. Au moins, il a récupéré l'argent dépensé. Mes agents, ils sont où? Parce que... Donc, ici, il y a le vétéran. Et là, il doit y avoir le mage. C'est ça. Et j'ai plus d'espion par contre. Oui, c'est ça, il faut que je recrute un espion aussi. Bon, on fera ça au prochain tour. Allez hop. Un rang supérieur. Pour qui? Là, il y a plein de monde avec un rang supérieur, dis donc. Rapport militaire, ok. Bzzz. Bon, va-t'en, Steam. Instructeur. Parfait. Ok, tout ça est parfait. Il a fini son recrutement.
tout ça est magnifique. Du coup, on peut y aller. Et cette fois-ci, s'ils viennent nous chercher, je vous promets que je ne refuserai pas la bataille. Comment tu puis-je ? Tout puis-je en passant pas chez les... Chez les autres, là. Hein ? Voilà. Tout puis-je en passant par là. Ici. On peut améliorer ça. Ouais, c'est pas mal. Toi, tu t'es entièrement reformé. Bientôt, bientôt. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un éleveur pour faire des... Étalons légers, cavalerie med, archer à cheval part. C'est ce qu'on a là-bas, non ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Écurie de la cavalerie. Écurie de la cavalerie. C'est ce qu'il y a après ça, non ? Écurie de la cavalerie. Oui, c'est ça. Donc c'est étalons légers, écurie de la cavalerie. Et... écurie arabe, d'accord. Et donc là, ça serait étalon lourd, écurie royale, écurie nicéenne, et sinon des éléphants. Ok, ok. Alors, ça je peux pas. Archer à cheval en armure. Et là, archer à chameau, lancier à chameau. Ah, j'hésite. Animaux mâles exotiques. Ah ouais. Ça peut être pas mal. Tireur archer à chameau. Attendez, j'explore un peu, donc, animaux mâles exotiques, et ça, marchand d'animaux, unité, éléphant de guerre d'Inde, tu vas voir ça, des trucs à chameaux. Ouais. Je compare ce que j'ai déjà. J'ai plutôt envie de faire un truc de cavalerie lourde, donc on va économiser. On va économiser pour faire ça, et les étalons lourds. Ça c'est quoi ? 6 de nourriture ? Oui, ça c'est... D'accord. On va garder notre argent. Du coup, là on a avancé. Ok. Tout est fait, tout est fini. Parfait. On peut peut-être réessayer de faire un petit truc ici. Comment puis-je vous assister ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la ville ? Pardon ? Sur l'armée. Non, on va plutôt juste les faire chier avec. Avec un raid. On va juste essayer de les emmerder avec un petit raid. Allez. Voilà. C'est bien. On se souviendra de moi. Les bardes des quatre coins du monde connaissent mon nom. Oui, c'est bien, mon ami. Ouais. Ouais. Raid, harcelé, manipulation, assassinat, rallier des esclaves.
On va prendre ça, ouais. Et oui, j'avais oublié que dans mes armées, c'est pareil. Il y a eu des... Il y a eu du galon, le mage. Administration civile. Ouais. Sinon, il y a quoi d'autre? Pour l'instant, on va lui laisser administration civile. C'est pas mal. Et il y en a un autre là aussi qui a gagné du galon. C'est lui. Eh mais putain, mes agents là, ça va, c'est cool. Alors. Ouais. 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 On va peut-être améliorer. Ouais, ça c'est bien ça, voilà, on va prendre ça. Et voilà. Et donc du coup, c'est la fin du tour. Allez hop. Et regardez qui est revenu au-dessus de Marakanda. Putain, ils sont têtus. Hein. Ils sont têtus, les gus. Et du coup, je sais pas depuis combien de temps je suis en train de filmer, mais à mon avis, ça fait quand même très longtemps. Je vais peut-être encore faire un petit tour, peut-être une bataille. Ouais, allez, je vais quand même vous donner une bataille au moins. Ah, est-ce qu'ils vont venir au contact? Est-ce qu'ils viennent? Non, ils vont juste essayer de me faire chier. Vas-y, fais-moi chier. Ah, oh, bitch, please. Voilà, allez, venez, c'est ça, venez, viens, commande. Putain, la vache. 1200. Ils sont 2280. Bon, j'avais dit que j'acceptais. J'avais dit que je le faisais. Je tiens ma promesse, mais je le sens mal. Honnêtement, je le sens super mal. Ok, c'est que des archers, mais franchement, ça pue. Ça pue, parce que j'ai pas autant de cavalerie de contact que ça. J'aurais dû en recruter plus, je sais, mais en même temps, ça coûte de la thune. Et j'ai peut-être pas les moyens. Donc j'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû attendre un peu avant d'attaquer, mais bon, on s'en fout, on va pas... On va pas tergiverser 3 ans sur ce que j'aurais dû faire, sur ce qui aurait été mieux de faire. On va jamais s'en sortir sinon. Ok. Archer à cheval part. Ouais. Alors attendez, un groupe comme ça. Groupe de combat, on attend. Par contre, il va falloir. On va foncer quoi. C'est. Ça va être attaqué clair. Hein, là, je. Il va falloir y aller sans aucune hésitation. Un, deux. Cavalerie lourde. Groupe de combat. Rapprochez-vous. Allez, c'est parti. Putain, ils sont nombreux. Putain, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Les renforts ennemis sont en approche. Ouais, j'ai bien vu. Ok, c'est parti, ça commence. Lance à vos ordres. Gardez la vitesse. Au pas de course. Cavalerie med. Ok. À bon avant. Rapide et précise. Remplissez les cieux. Et vos bras. Vos ordres, monseigneur. Pareil. Notre général se fait attaquer. Ouais, j'ai bien vu. Hein. Merde. Pour l'honneur. Quels sont vos ordres? En charge.
Ok. Non. Et là-dessus, putain, ils arrivent les derrière. Les hommes sont hésitants. Les hommes sont hésitants. Bah ouais, bah ouais, bah oui, bah évidemment. Évidemment qu'ils sont hésitants. Vos ordres, monseigneur. Le général ennemi est mort. Bien, 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 bien. Pour l'honneur. Putain. Les hommes sont hésitants. Ouais. Putain, c'est tendu. Monseigneur. Où sont mon général et tout là? Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Arrête. Quelle honte! Je suis hyper concentré, les amis. Les hommes sont hésitants. Ok, mon général, il est où? Cavalerie de mêlée. Vous là? Engagement. Bougez-vous un peu. Mon général. Fuit le champ de bataille. Mais mon quelle général, honte! Mon général. C'est ça, voilà. Pour la gloire. Ouf. Ouais. Nous sommes à vos ordres. À pour la gloire. Archer à cheval, part. Cavalier en armure. Ok. Vous là-dessus. Les hommes sont hésitants. Non, 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 allez, là, on maintient la pression. On maintient la pression parce qu'il reste quand même beaucoup de trucs. La bataille tourne en notre faveur. Ok. Okay. Ah d'accord, ils ont tout. Ah oui, ok, ils ont tous fui. Ok, ils ont tous fui. Donc si on peut tous les poursuivre et les exterminer. Ça serait bien. Mais je suppose qu'on n'y arrivera pas. Hein? Non, évidemment. Bon, là déjà on les aura quand même repoussés, mais au prix de pas mal de pertes. Hein, bon, déjà nos deux unités de montagnards. Et qu'est-ce qu'on a perdu d'autre? Une unité d'archers. Bon, elles ont juste fui aussi, mais 1, 2, 3, 4... Notre cavalerie de contact est toujours entière. Bon, eux, ils ont quand même pris cher, hein, les meds. Je pense que je vais privilégier la cavalerie de 100 nobles, maintenant. Mais on s'en tire pas trop mal. Perte 400, ouais, 500. Le tiers de notre armée. Et en face, ils ont perdu combien de... Sur 2200, 1300... 13 et 13, ça fait combien? 13 et 13, 3 et 3, 6... Ça fait 26... Quand même plus de la moitié de leur armée. Ouais. Carrément beaucoup plus de la moitié. La moitié de 22, c'est 11. Ouais, 1100. Ouais. Oui, vous avez vu que les maths, c'est pas mon fort. Hein. Allez, hop. C'est ça, fuyez. Bah, du coup, par contre, mon armée est quand même bien entamée. Et pour faire le siège d'une ville, y a mieux, hein. Il y a mieux comme condition. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pars à la poursuite de tous ces fumiers? Colonie assiégée, Marakanda. Encore? Ah oui, c'est vrai. Rapport sur l'usure. Ouais.
Oh, Comment puis-je servir Parsi? Putain. Monseigneur. Putain, ils font chier ici. Hein. Ils me font chier, mais. Le sang et la gloire. Tiens, reviens les emmerder, toi. Reviens jusqu'ici. Loué soit le père de tout, enfant de l'amusement. Voilà, refais ça, c'était bien ça. Voilà, par contre du coup je comprends pas, tour restant avant la reddition, 0. Bien, ça veut dire qu'elle est... Quoi, elle peut pas tenir plusieurs tours cette putain de cité ou... Merde. Ou merde. Bon ici... Ok. Monseigneur. T'en reviens là, il va falloir... Putain, tu peux pas aller plus loin. Il va falloir lui faire une nouvelle armée aussi. Parce qu'on a... On a pas trois armées en fait, c'est bien con quoi. Ça fait quoi si on t'attaque toi? T'as des renforts? Non, tu fuis comme un lâche. Tu fuis comme un lâche. Pas de quartier. Et là... Oh bah on va pas se faire chier, on va balayer ce petit machin. Et puis ça sera la fin de cet épisode juste après. Mais on va pas se priver quoi. Balayons-les. On va y aller, on va foncer avec notre cavalerie. Ah je vais pas y aller dans la dentelle. Hein. On va laisser notre cavalerie med en retrait. En cas où en défense. Et on va foncer avec notre cavalerie de 100 nobles. Commencer le déploiement. Ouh putain, par contre le terrain est pourri. Je préférais le terrain d'avant, c'était de la plaine, c'était cool. Alors attendez. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Si vous voulez tout savoir, oui, j'étais en train de me rouler une clope. Oh mon dieu, ce manque de respect total de ma part. Je m'en fous. Allez, c'est parti. Je viens de vous cracher à la figure en fait là. Je vous ai dit je m'en fous, rien à branler. Mais vous savez que je vous aime quand même. Ok, alors ils ont quand même des galons en argent ces mecs là. Faut pas chercher la merde. Voilà. L'infanterie. Tu devrais pas avoir à intervenir. Et vous non plus. Voilà. Allez, c'est parti. Cavalerie med. Avancez plus vite, montagnard. Gardez la vitesse. Archi à cheval, par. Ok, les voilà. À vos ordres. Le roi exige du sang. Cavalerie lance projectile à vos ordres. En courant, s'il vous plaît. Ensuite ici. Formation en diamant. Pris en avant. Cavalier leste. En formation en diamant. Paré. Cavalier en formation en diamant. Allez c'est parti là. On y va, on y croit, on fonce. Ok, ça commence déjà à fuir. Ouais, hop, premier contact. Boum. Comme dans du beurre. La bataille tourne en notre faveur. Ah bah évidemment. Parfait. Notre général se fait attaquer. Quels sont vos ordres? Engagement! Cavalier en armure!
Ah, ça c'est fait. Poursuis-moi ça, toi. Le général ennemi est mort. Poursuivez ce qui reste. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti, voilà. Essayez d'avoir ce qui reste. Ça sera toujours ça de gagner. Bon, ils ont fui un peu loin quand même là. Zou ! Putain, le terrain complètement vallonné, c'est une horreur ça pour une bataille quoi. Et voilà. Bon, et bah 42 pertes, ça va largement. Là, on se démerde un peu mieux qu'au début de la campagne. Hein. Je suis fier de moi. Par contre, pour prendre la ville, ça va pas être facile avec l'armée qu'on a. Ouais, qu'on fonce avec nos unités de... Obtenu, quoi. Ah, allez, 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 il est mort parce qu'il pouvait pas se replier. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est impossible, monseigneur. Parce qu'on a. Quelle cruauté souhaitez-vous, ô seigneur ? Toi, qu'est-ce que t'as ? T'as une grosse garnison quand même. Archer des steppes, tribu. Alors, 6 unités d'infanterie et 7 unités d'archers. À votre service. Laissez-les battre en retraite face à notre puissance. Tribu. Et beaucoup d'archers quand même. Personne. On va continuer le siège et je pense que ce qu'on fera c'est qu'on attaquera encore une fois les portes. J'aurais dû ramener ça aussi. Tuez-les tous! Ce qui est emmerdant, c'est que je peux pas les mixer. Non, je peux pas. Bon, bah c'est pas grave, il faudra y aller avec nos lanciers qui n'ont aucun moral et qui vont du coup complètement fuir quand la porte leur versera de l'huile bouillante sur la figure. Ici, il va falloir qu'on retente une sortie, mais franchement, ça va être chaud. Nous nous battons pour vous. Seigneur. Ça va être super chaud. Par contre, je peux peut-être faire un truc. D'accord, je suis assiégé. Par contre, ici, je peux améliorer ça. Je peux améliorer ça en ça. Voilà, je vais faire ça. Et là, on va prendre la culture orientale. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. On va faire un hôtel du feu ici, ouais. Carrément. Et bah voilà, bon, bah, on n'a pas beaucoup avancé dans cet épisode. Bah, on aura quand même amené notre armée au contact des murailles de leur capitale. Et au prochain tour, j'espère qu'on pourra la prendre. Prêt pour la bataille. Et puis et bah c'est tout. On va peut-être regarder niveau diplomatie. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau avec la diplomatie? Genre est-ce qu'on peut faire la paix? Vous avez toute mon attention. Parlez. Oh. Dieu de l'Olympe. Oh oh oh. Eh bah écoutez les amis, on vient de faire la paix avec les Bactres. C'était assez inespéré, mais. Du coup, attendez. Ouais. Je veux mes étalons lourds. Voilà. Bon, bah, du coup, on fera ça au prochain tour. Et du coup, toi, est-ce que tu peux recruter les choses? Non, tu peux point. Faudrait peut-être quelques unités. Ouais, vous savez quoi, on va faire quand même 3 unités d'infanterie. Histoire de au moins. Non, attendez.
Non, c'est inutile ce que je fais. Voilà. Quelle est la garnison de cette ville? Deux montagnards, deux lanciers, un tirailleur à cheval et trois... Non, c'est niveau infanterie, il y a la garnison qui suffit. Donc l'armée en elle-même, il faudra recruter plus de cavaliers. Et donc ça sera avec la construction qu'on est en train de faire. On va pouvoir avoir des archers à cheval en armure et ça va pas être le même délire. Ça fait plaisir d'être en paix avec les Bactres parce que je vais enfin pouvoir me concentrer sur eux sans avoir peur de me faire poignarder dans le dos. Est-ce que eux voudraient faire du commerce par hasard? Bienvenue mon ami. Concluons un accord en toute hâte que nous puissions savourer les plaisirs de cette maison. Si je vous propose un paiement. Ils veulent pas faire du commerce, hein. Par contre, j'aimerais bien m'entendre avec les Bactres. Aversion culturelle, action de l'agent, action militaire. La patience n'est pas notre fort. Par conséquent, je vous en prie, allez droit au but. Ouais, on va faire ça. J'aimerais bien m'en faire des alliés, en fait. Non, faut pas déconner. Mais dans les tours qui viennent, vous savez, on va essayer de s'en faire des alliés de des Bactres, parce que bah, moi je les aime bien en fait. Hein. Et puis si on n'y arrive pas, bon bah on leur roulera dessus, hein, tant pis. Mais en tout cas voilà, c'est tout. Cet épisode va se terminer sur ce traité de paix, sur ce cessez-le-feu. J'espère qu'il vous a plu, il y a eu quand même des batailles et je m'en sors plutôt pas trop mal. Vous aviez raison, je pouvais carrément gérer la horde d'archers à cheval qu'il y avait ici. Merci de me l'avoir dit et merci à moi d'avoir eu les couilles de le faire parce que je le sentais pas du tout. Et ben sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 12 et jusque là, et ben portez-vous bien. Wouhou.